Bonsoir Laurence. Bonsoir Gaëlle. Laurence, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau protocole organisé par la team Griffasi Academy. C'est un protocole qui porte sur un sujet, un thème dont tu ne connais pas du tout le sujet à l'heure actuelle. Pas du tout, non. Et ce type d'investigation est organisé dans différents pays avec les mêmes protocoles, les mêmes questions dans différentes langues. Ça va se dérouler en deux parties. Donc, comme d'habitude, première partie, je vais te poser les questions. Je n'interviens pas. Et deuxième partie, on va pouvoir revenir sur certaines informations que tu auras apportées. D'accord. C'est bon pour toi? Parfait. Ok. Oui. Je te fais un décompte de 10 à 1? Oui. Oui? Ok. Oui. Parfait. Alors, installe-toi confortablement. Parfait. Ferme les yeux. Prends une profonde inspiration. Profonde expiration. Tu vas pouvoir prendre une autre profonde inspiration. Bien. Profonde expiration. Je vais compter de 10 à 1. Et quand je vais arriver à 1, tu seras dans cet état idéal pour toi pour aller mener cette investigation. Et à chaque palier, tu vas t'enfoncer naturellement dans cet état parfait. Tu vas laisser ton corps se relâcher, tes muscles un à un, et ton esprit va s'apaiser à son tour, comme si tu faisais le vide, de manière à t'harmoniser intérieurement et de manière à arriver dans cet état parfait pour toi. 10 et 1. Comment ça va, Laurence? Parfaitement bien. Parfaitement bien, très bien. Laurence, je compte de 1 à 3 et je vais te lire la première question. Question. Connecte-toi au mot Atlantide. Quelles informations perçois-tu ou visualises-tu? Je vois cette île au milieu de la mer Atlantique, une île en forme de cercle, comme une forme de labyrinthe. Ok. Est-ce que tu vois autre chose qui attire ton attention en particulier? Non. Non. Alors, prochaine question. Qu'est-ce que c'est Atlantide? C'est une île continent au milieu de l'Atlantique qui a été ensevelie par les eaux. Et qui demeure dans les profondeurs de l'océan Atlantique. Autre chose à ajouter? Oui, je vois des gens qui se sauvent sur des embarcations au moment de ce typhon. Enfin, ça ressemble à un typhon, quoi, ou un tsunami, ou un. La plupart des personnes de cette civilisation ont été ensevelies par les eaux, en fait, mais une petite partie a réussi à se sauver. Ok. Autre chose? Ça me dit Poséidon. Il y a un lien avec Poséidon. Poséidon. Poséidonis. Pardon. Autre chose?
que les personnages qui, enfin, je les vois sous forme de petits personnages comme dans une bande dessinée, qu'avant, certains ont été informés de ce qui, du cataclysme qui allait se produire. Ils ont eu le temps de cacher certains artefacts. Autre Dans chose? des grottes, qui ont été ensevelies. Ok. C'est sous les eaux. Ok. Autre chose? J'entends triangle des Bermudes. Tu veux rajouter autre chose? Les rescapés de cette civilisation, en fait, ont réussi à se rendre en longeant les côtes, en longeant les côtes par la voie du côté est, jusqu'à descendre dans les pays d'Arabie. Ouais, ils sont arrivés jusque dans ces pays-là, en fait, le nord du Maghreb. Et une petite partie s'est établie dans ce qu'on appelle ensuite l'Égypte. OK. Prochaine question, dans le ici et maintenant, qui connaît la vraie nature et histoire d'Atlantide? Les peuples qui ont colonisé ce continent. Continent? C'était un continent qui était raccroché à l'est, par l'est et par l'ouest, en fait, hein. C'est simplement qu'il était enseveli sous les eaux. Continue. En fait, les personnes qui ont connaissance de cette civilisation, ce sont les personnes qui sont en contact télépathique avec différents peuples des étoiles, notamment ceux qui ont été à l'origine de ce peuplement. À l'origine de ce peuplement? Tu peux rajouter, tu peux développer? Alors, non, j'ai pas d'informations. Prochaine question. Pourquoi, au jour d'aujourd'hui, ne savons-nous pas ce qu'est Atlantide et si elle a vraiment existé? Parce qu'il y a une volonté de. Il y a une volonté de pas connaître et de laisser cette histoire à l'état de mythe pour pas qu'on redécouvre la grandeur de cette civilisation et des pouvoirs qu'elle détenait. Et pourquoi ça? Parce que l'Atlantide a été détruite à cause du mauvais usage qui a été fait des pouvoirs qui ont été donnés enfin par les enseignements par le J'entends peuple des étoiles, mais j'arrive pas à me connecter à qui ou quoi. Ok. De grands pouvoirs, il détenait le pouvoir d'avoir un impact sur toute chose, sur toute matière, sur tous les éléments en fait, et ça a été malheureusement mal utilisé, raison pour laquelle il a été décidé plus haut, visiblement, que cette civilisation n'avait plus avait été trop loin dans l'usage de ces technologies. Ok. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Que les
les personnages qui ont réussi à fuir, en fait, parmi eux, certains détenaient cette connaissance, en fait, et ont pu la propager dans des écoles qu'ils ont créées, qui s'appelaient des écoles, qui sont appelées des écoles de mystère, dans lesquelles les enseignements étaient très très longs. Voilà, plusieurs dizaines d'années pour arriver à maîtriser ces champs de connaissances, en fait, mais pour lesquels on devait s'engager à les utiliser avec sagesse. Ok. Prochaine question. Que se passerait-il parmi les futurs possibles infinis si l'on découvrait ce que c'est ou ce qu'était Atlantide? Ben, la redécouverte de savoir et de technologie en lien avec la nature, avec le cosmos, la médecine notamment, qui permettait d'avoir un impact aussi sur comment autoréguler sa santé. En fait, c'était toujours les mêmes technologies hein, qu'on a perdues dans le temps, de l'usage de la lumière et des vibrations. Mais voilà, quand c'est mal employé, ça peut faire des dégâts incommensurables. Et du coup, ces technologies ont dû rester cachées depuis. Quelles informations parmi celles rapportées concernant les mythes et les légendes de l'Atlantide perçois-tu, toi, comme ayant un fondement de vérité? Les mélanges génétiques, des mélanges qui ont été testés mais qui n'ont pas eu, enfin, qui n'ont pas, qui n'ont, dont les résultats ont été catastrophiques du fait que les êtres qui ont. Les êtres qui sont ressortis de ces mélanges génétiques, en fait, avaient plutôt l'aspect de monstres, et n'avaient absolument pas vocation à se. Enfin, ils ne pouvaient pas se multiplier, en tout cas. Ils ne pouvaient pas se reproduire. Et donc, le lien, en fait, ce que je vois, le lien avec l'arbre généalogique de toute la constellation des dieux, des dieux de la Grèce ancienne, qui ont été aussi utilisés par les Romains. Enfin, ils avaient le même nom chez les Romains, en fait, qui les ont repris. Tu veux bien éclaircir ce point? Oui, les premiers dieux grecs, en fait, et même les titans, les géants, voilà, ils étaient issus des premiers croisements qui ont pu se faire sur Atlantis. Ok. Sur l'Atlantide, pardon. Ok. Autre chose à dire par rapport à ces mythes et ces légendes? En fait, que pour certains, ils ont existé, mais ils n'ont pas pu exister très longtemps parce qu'ils ont. Alors pour certains, je vois des combats qui les ont exterminés, qui se sont. Enfin voilà. Et pour d'autres, l'impossibilité de se reproduire parce que les hybridations génétiques qui en sont ressorties n'étaient pas en capacité de le faire. Ok. Je vois ces hommes à tête de taureau, des minotaures, des centaures, des choses comme ça en fait. Ok. Prochaine question. Parmi les informations connues, quelles informations considères-tu comme n'ayant aucune base de vérité? Parmi les informations connues,
Oui, encore une fois, ces mythes et ces légendes, quelles informations considères-tu comme n'ayant aucune base de vérité? Aucune. Ou autre information connue? Aucune. Elles ont toutes une base de un fondement de vérité. Ok. Ok. Est-ce que cette théorie a-t-elle un but? Oui ou non? Les théories des mythes et des légendes. Tout ce qui touche, oui, théorie autour d'Atlantide. Ah, autour d'Atlantide. N'y avait pas de but particulier. Voilà, ça c'est l'information, l'information s'est disséminée par voie orale. Enfin, voilà, les tribus de l'époque se sont racontées l'histoire de l'Atlantide. Et puis quelques siècles plus tard, ou plusieurs milliers d'années, je ne sais pas, ça a été repris par les philosophes grecs, mais avec des détails assez précis en fait, et ce qui a fait que ça s'est reproduit dans le temps et que c'est arrivé jusqu'à nous en fait. Ok. Prochaine question. Les informations que tu perçois sur Atlantide, à quelle époque remontent-elles? Trois cent mille avant notre ère, quelque chose comme ça. Ok. Connecte-toi à la création d'Atlantide et dis-moi ce que tu perçois ou visualises. Si tu as besoin d'un coup de pouce, je compte de 1 à 3. Dis-moi. Non, c'est bon. En fait, ce qui me vient là comme image, je vois des êtres, des étoiles en fait, qui se sont installés au milieu de de l'Atlantique, où figurait une île, pratiquement un continent, hein. Une île continent sur laquelle ils ont décidé de s'installer, mais je vois qu'ils ont utilisé les hommes qui étaient des hommes préhistoriques pour encore pour l'époque quoi, comme besogne hein, comme esclaves presque pour je vois des hommes presque avec des peaux sur eux qui portent des cailloux immenses. Et dans des tailles très 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 grandes, beaucoup plus grandes que nous, hein, humains, Homo sapiens. Des géants, quoi. Je vois des géants qui portent des cailloux très 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 grands. Et d'autres qui arrivent à les manipuler par lévitation, en fait. Ça dépend de qui les pour les pour tout ce qui est travail difficile, ils utilisaient déjà des esclaves. Ok. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Non. Tu en as un petit peu parlé précédemment. Est-ce que tu peux géolocaliser où réside Atlantide? Au milieu de l'Atlantique. Et l'Atlantide existe-t-elle dans le ici et maintenant, oui ou non? Physiquement, oui, mais à des profondeurs qui ne sont pas accessibles à l'être humain actuellement. Et que perçois-tu ou visualises-tu au sujet de son existence actuelle?
qu'une technologie reste cachée dans des. Alors maintenant, c'est des grottes sous-marines, mais qui étaient des grottes, des tunnels naturels à l'époque, mais qui ont été creusées par les Atlantes de l'époque grâce à leur technologie, en fait. Et je vois que ça va jusqu'au sud des États-Unis. La côte ouest, sud-ouest, sud-est des États-Unis. En fait, c'est les Bermudes. Autre chose? Eh bien, qu'il y a un lien entre les Bermudes et l'Atlantide au niveau de ce qui se passe. Au niveau de ce qui est des phénomènes électromagnétiques qui se produisent là-bas. Et qu'est-il arrivé à l'Atlantide? Ah ben je vois un tsunami qui a recouvert. Qui a recouvert cette île, qui a été générée par des peuples beaucoup plus évolués en conscience. Je reviens sur le, j'entends peuple des étoiles, mais j'arrive pas à savoir, à voir ou à. Ils ont utilisé cette technologie bien trop négativement, en fait, tous les pouvoirs qu'ils avaient, qui auraient pu servir l'humanité naissante sur une base de sagesse, ça a été utilisé par certains. On est toujours sur les mêmes problématiques d'enjeux de pouvoir et de voilà, de dualité entre le bien et le mal. On est toujours dans ces phénomènes. Prochaine question. Y a-t-il un lien entre l'Atlantide et la théorie des anciens astronautes? Oui ou non? Oui. Quel est ce lien? Quand ils sont arrivés sur notre planète, ils se sont partagés en fait. Ils se sont partagés notre planète en plusieurs parties avec des formes de gouvernement. La mise en place de formes de gouvernement, ou en tout cas de. Oui, ils ont placé des personnages militaires sur chaque continent de notre planète, en fait, pour utiliser soit les métaux, soit les. Voilà, ce qu'ils pouvaient utiliser de notre planète, en fait. Ça pouvait être des cristaux, ça pouvait être. En fait, chaque continent avait une spécificité particulière qui leur conférait certaines choses. Alors, voilà, dans certains endroits, c'était plutôt les pierres, le cristal, dans d'autres endroits, c'était plutôt les métaux, ailleurs, c'était plutôt pour. Nourrir leur population, donc c'était par rapport aux plantations, par rapport à la. Voilà, donc c'est. Mais quand même, ils avaient cette capacité de se mouvoir partout sur le pourtour de notre planète, hein. Le lien, il est que entre Sumer et l'Atlantide, il y avait déjà des connexions. C'est les mêmes populations, les mêmes civilisations qui ont colonisé la planète dans les temps reculés il y a plus de 300 000 ans. L'Atlantide, la Lémurie et la Grande Tartarie ont-elles quelque chose en commun?
Oui ou non? Ben, elles étaient interconnectées hein, sur les passages migratoires. Et c'était, à la base, c'est le même peuple qui a pas colonisé, si, c'est une forme de colonisation, mais sur la base des peuples autochtones, en fait. Donc c'est la Lémurie n'était pas située au même endroit, la Tartarie non plus et l'Atlantide non plus, mais il y avait des liens, des interconnexions, d'autant que la mer n'était pas du tout située aux mêmes endroits parce qu'elle n'était pas montée si haut. Donc il y avait des passages, c'était facile de migrer d'un endroit à un autre. Pour ceux qui migraient de manière enfin à pied, mais après il y avait ces populations, ces peuples des étoiles, voilà, ces fameux Anunnaki. Qui se sont partagés en fait la planète et qui ont apporté le savoir aux populations autochtones. Je vois c'est par exemple, je prends l'exemple du continent américain, sud-américain. Ils ont apporté à tous les peuples une certaine forme de savoir, mais en même temps, ils se sont fait passer pour leur dieu et ils ont bien bien profité de ces du pouvoir que ça leur conférait en termes de. Donc, ça s'est pas toujours bien passé, ça s'est pas toujours passé sous forme de sagesse et de compréhension, hein. Ça s'est passé dans le sang aussi. Tu veux rajouter autre chose? Non. Prochaine question. Y a-t-il une relation entre l'Atlantide et le Grand Déluge? Oui ou non? Non. Non? Ok. Tu as des Si on fait informations? référence au dé si on fait référence au déluge de Noé, c'est non. Enfin, c'est plus tardif. On a terminé. Pour les questions, pour le protocole, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu veux revenir, toi, Laurence? Non. Alors, moi, j'ai des petites questions. Tu me parlais de population qui a tenté de cacher des artefacts dans des grottes. Tu veux bien aller faire un tour dans ces grottes et me dire ce que tu vois, ce que tu perçois. Qu'est-ce qui est caché? Si tu as besoin, je compte de 1 à 3. Je Oui. compte de 1 à 3. Et tu vas tout naturellement te retrouver dans l'une de ces grottes que tu as déjà perçues tout à l'heure. Tu vas dans l'endroit qu'il faut. Toi-même sais où aller. 1, 2, 3. Dis-moi ce que tu perçois. Je vois la lumière, je vois une technologie radioactive. À quoi elle ressemble? C'est vert. Donc j'avance un peu dans ce tunnel. Enfin, c'est l'entrée d'une grotte. Je vois les fonds. Je suis la lumière pour voir jusqu'où ça m'amène. Tu peux être en une Oui. fraction de seconde exactement là où tu as envie d'aller. Il suffit juste avec ta volonté d'avoir envie de voir. Tu peux également t'agrandir si tu en as besoin, de manière à voir d'un œil beaucoup plus gros, comme si tu pouvais tenir dans ta main cette image, cet endroit. Ok, je suis tout en bas. Vraiment sur le plancher sous-marin. Oui. Continue. Ça va, Laurence? Oui. Bien, dis-moi.
Cette technologie radioactive, en fait, elle était manipulée et elle a été cachée là, dans une grotte du côté Mexique. J'entends Mexique. Qu'est-ce que tu vois, toi, de tes yeux? Qu'est-ce que tu contemples? Qu'est-ce qui se dessine? Qu'est-ce que c'est cette technologie? À quoi elle ressemble? Une technologie avancée de type radioactive qui permet la manipulation des molécules de l'atome Sous quelle forme tu la vois cachée, cette technologie? de cristaux qu'on peut ensuite disposer dans une forme de technologie comme de l'armement de l'époque, de ces temps immémoriaux et reculés, qui seraient cachés dans une grotte au niveau du Mexique. Le Mexique n'est plus sous les eaux. Ouais. Il n'est pas sous les eaux. Ouais. Mais ça me dit Mexique. Si on passe par le. Si on passe par les États-Unis du Sud, faut passer par le golfe du Mexique. Voilà. Reste dans cette grotte. Tu es dans l'eau? Tu es sous l'eau? Oui. Je suis dans cette grotte et qui est vraiment sur le plancher marin à des milliers et des milliers et des milliers de mètres de profondeur. C'est énorme, quoi. Et si tu regardes cette technologie, si tu Sont des remontes le cristaux qui temps, se... Ouais. remonte le temps et regarde comment elle est utilisée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est fait avec cette technologie? En Qu'est-ce que fait, tu vois? ces cristaux en fait étaient mis dans une forme de technologie comme des armes en fait, mais avec une capacité de fondre. Ça fondait le cristal qui était ensuite pouvait être propulsé sur l'ennemi, et donc ça vitrifiait tout. Est-ce que cette technologie servait à d'autres choses qu'a priori la guerre? L'antigravité, ça permettait de. Ça permettait de faire léviter les pierres pour construire leur monument, leur ville. À quoi ressemblent leurs monuments et leurs villes? C'est immense, hein, ils avaient cette. En fait, ils arrivaient à faire fondre la pierre aussi, pour leur donner des formes, pour permettre l'assemblage parfait de ces monuments, de leur architecture en fait. C'est la même technologie qui leur servait autant à l'antigravitation qu'à l'armement. Et c'était basé sur le... Il savait par la vibration et le trouver la résonance parfaite pour ramollir non seulement faire lever ces rochers, ces cailloux, mais aussi les ramollir et les fondre en fonction de leurs besoins. Quels étaient essentiellement leurs besoins de faire fondre ces éléments? Pour qu'ils s'imbriquent parfaitement. Pour faire quoi? S'imbriquer pour faire quoi? Pour construire leurs monuments. Uniquement les monuments? Oui, ou alors des endroits
Ils utilisaient cette technologie aussi pour la musique, pour le son. En fait, tout était lié. Ils avaient la connaissance parfaite en fait de la manière dont on peut utiliser les vibrations de l'univers, tout type de vibrations en fait, les fréquences pour chaque type d'utilisation. Et donc c'était inné en fait, il n'y avait pas de, enfin inné non. Quand tu me dis qu'ils utilisaient ces techniques pour faire fondre de la pierre, créer leurs monuments, reste-t-il certains monuments à l'heure actuelle? Oui, partout. Où ça? Sur tous les continents. Quand je te Sur dis tous les... Atlantide, qu'est-ce qui te vient? Monument? Atlantide? Il me vient que donc Poséidonis a été construite. Donc c'était une des premières grandes civilisations qui s'est construite sur la base de cette technologie, mais ça a essaimé sur tous les continents en fait, en Amérique du Sud, en Égypte, en Asie. C'est toujours la même technologie qui est employée, hein, dans des endroits à haute résonance vibratoire, qui aidait aussi hein, à faire en sorte que cette technologie elle soit adaptée. Enfin, ils maîtrisaient hein, tout ça de manière très Si pointue. tu vois que ces technologies étaient utilisées partout et non pas uniquement l'Atlantide, il reste donc aujourd'hui encore l'accès à ces technologies qui ne sont pas cachées dans les grottes, sous l'eau? Non. Non? Tu as bien regardé ce qui s'est passé, pourquoi? Parce que ça a été mal utilisé à un moment donné. On a perdu, et donc le fait que l'Atlantide ait été complètement submergée par les eaux, mais par des milliers et des milliers de mètres cubes d'eau, enfin plusieurs kilomètres d'eau, ces savoirs se sont perdus et ce qui aurait pu en rester. Ça devait rester caché en fait et ne reste et ne et n'être disponible que pour une infime partie de personnes qui se sont transmis ce type de connaissances par voie orale. Il y a eu certains écrits, mais pareil, ils ont été cachés. Il fallait plus après que ce soit disponible pour tout le monde, pour toutes les populations. Quand tu regardes à la création d'Atlantide, est-ce qu'il y avait d'autres civilisations sur le globe terrestre? Oui. Elles avaient d'autres technologies, ces autres civilisations, ou elles avaient la même? Non, elles étaient encore dans les cavernes. Et même pire encore. C'était encore des. Enfin, c'était très très archaïque. Tu parles d'humains? Oui. Est-ce que tu vois d'autres êtres évoluer sur le globe à cette période-là, à la création d'Atlantide, ou bien il s'agit de cette civilisation qui est venue en premier? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois? Que cette civilisation qui est venue en premier s'est servie des êtres qu'elle a qui étaient sur Terre pour les faire évoluer, mais voilà, ils avaient de loin pas leur connaissance, leur savoir, voilà, donc raison pour laquelle ils les ont utilisés pour Autrement dit, tu vois qu'il s'agissait de la première civilisation sur le globe terrestre à venir des étoiles, comme tu l'appelles, comme tu le dis? Il y en a eu d'autres, mais
Il y a eu plusieurs vagues, en fait. Il y a eu plusieurs vagues. Mais la C'était première à 5 ans, la première à prendre possession dans la matière, plus ou moins, c'est elle, quoi. Quand tu dis plusieurs vagues, est-ce que tu as un chiffre qui te vient? Vague numéro combien? 3. Vague 3. Qu'est-ce que tu vois pour les vagues 1 et 2? Je vois des formes de conscience différentes. Des formes de conscience différentes, plus évoluées, mais c'était bien plus dans des temps bien plus lointains que ils étaient aussi en adéquation, leur physionomie éthérée était plus en adéquation avec l'atmosphère qui était respirable, qu'on n'aurait pas pu, nous humains, respirer à cette époque. Là où la Terre était à peine terraformée, quoi. Ok. Revenons sur Atlantide et j'aimerais que tu me dises quelle était la grandeur de ce peuple dont tu parlais à un moment. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu associes à cette grandeur? Quelles images? Deux bâtisseurs, extrêmement bons bâtisseurs. En termes d'architecture, c'est le seul endroit pratiquement sur la planète où une ville de cette ampleur a été construite et sous cet aspect-là, quoi. Quel aspect tu y vois cette ville? Un aspect, ça rejoint ce que Platon a décrit, mais c'est beaucoup plus gigantesque que ce qu'il a décrit. Ça s'est perdu à travers les âges et la transmission orale, mais néanmoins. Est-ce que tu peux rentrer dans ces descriptions avec tes propres mots? Qu'est-ce que tu vois? Là, je suis carrément au-dessus de l'Atlantide au moment où elle existait, quoi. Donc, j'ai une ligne de temps différente. C'est flamboyant, c'est vert. Il y a plein de végétation, il y a Et les constructions. énorme. Tout était démesuré par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, en fait. Quelle forme tu vois, tu distingues? Ça reprend la forme ronde qui est décrite par Platon, mais comme un labyrinthe un peu. Et comment vivent-ils? Comment sont-ils organisés? Une partie qui est douée d'une grande sagesse, voilà, qui sont dédiées à la transmission de la connaissance, au développement des au développement de voilà de la civilisation. Mais il y a des enjeux de pouvoir tels entre les si tu veux, c'est comme aujourd'hui au niveau du pouvoir en place. Personne ne veut lâcher les choses. Enfin, voilà, il y a Qu'est-ce qui s'est passé? une guerre fratricide Entre eux? entre deux frères. En fait, lorsque ce peuple des étoiles est arrivé sur Terre et qu'ils se sont partagés les différents continents, malgré tout, à un moment donné, celui qui dirigeait l'Atlantide se retrouvait confronté à une guerre avec des membres de son, je sais pas, de sa
C'est sa civilisation, en fait, mais qui arrivait d'un autre continent et qui voulait. Voilà, on est toujours sur ces mêmes phénomènes de vouloir d'en vouloir toujours plus et de. Tu vois une guerre entre eux? Oui. Et que ceci. C'est marrant parce que je vois. Je sais pas pourquoi. Je vois une espèce d'humanoïde à tête de chien. Et qu'est-ce qui se passe? Je vois que ouais, il y a une bataille féroce qui va avoir des répercussions sur détruire une partie de ces royaumes et induire finalement un cataclysme planétaire presque qui va recouvrir la Terre d'eau et faire monter le niveau de la mer de plusieurs kilomètres. Et que se passe-t-il après? Après. Celui qui dirigeait Poséidonis a réussi à emmener avec lui un petit groupe et à ce que j'ai vu tout à l'heure, en fait, à se diriger jusqu'en Égypte. Et qui y a-t-il déjà en Égypte à ce moment-là? Pas Comment est grand-chose. l'Égypte? Pas grand-chose. C'est très vert. C'est très vert. L'Égypte ne s'appelle pas l'Égypte. Et les peuples sont pratiquement. Voilà, c'est l'âge de la pierre. Il y a déjà. Tu dis que tu parles d'une guerre entre. C'est au sein de cette même civilisation. Après ce cataclysme, que se passe-t-il? Est-ce qu'il reste des survivants, autres que ceux qui vont en Égypte? Sur le globe, est-ce qu'il y a d'autres survivants? Oui, et sur les différentes, oui, sur les différents continents, il reste des peuples qui vont redémarrer. Mais je les vois très grands. Sont-ils en paix les uns avec les autres, ces peuples, ces populations? Mais ils sont très peu nombreux déjà. Tu as un nombre, plus ou moins? C'est des petits clans hein, qui restent par-ci, par-là. Un nombre, non. Non? Ok. Tu veux ajouter autre chose par rapport à tout ce qu'on a vu? Qu'ils ont tenté de recréer tout ce qu'il y avait de flamboyant et de grandiose et de ramener une partie de leur technologie donc dans cet endroit qui est devenu l'Égypte, mais que ça n'avait de loin plus la grandeur que ça a pu avoir sur l'Atlantide. Ok. Tu as mentionné à un moment donné les Anunnaki. Tu vois quelque chose en particulier en lien entre les deux maintenant? La création des premières divinités égyptiennes qui va descendre comment je peux dire ça de cette migration forcée vers ce continent. Ok.
À quoi ressemble-t-il avant qu'il y ait cette migration? Comment tu les vois? Je les vois comme des hommes des cavernes, les Égyptiens. Et comment tu vois le peuple d'Atlantide, les rescapés, si on peut dire ça, que tu vois? Comment tu les vois? Comment sont-ils physiquement? Plus clair de peau, nettement plus grand. Nettement plus grand. Et donc, ouais, ça a été assez simple pour eux de prendre le pouvoir face, enfin voilà, et de passer pour des dieux aussi, hein. Et tu disais qu'au moment de la guerre, tu voyais un humanoïde comme un hybride tête de chien, tu disais? D'où venait-il, lui? De ces croisements qui ont été faits par ces peuples des étoiles au moment où ils sont arrivés sur Terre jusqu'à... Ils avaient besoin de main-d'œuvre, en fait. Ils pensaient que en l'état, les humains n'étaient pas suffisamment évolués. Ils avaient commencé les hybridations, autrement dit, sur cette partie du continent. Oui. Et Atlantide, non. Il n'y en avait pas au sein de la population. Si, Si, aussi. mais si, l'Atlantide, je vois plus les des humains gigantesques avec des têtes de taureau, des têtes de... Ok. En Atlantide, d'après ce que je ressens, c'était plus, ils avaient plus besoin de main-d'œuvre très forte, bien qu'ils arrivaient à manipuler la pierre, mais c'est pas le même, ils n'ont pas la même physionomie, en tout cas d'après ce que je perçois. Ok. Mais c'est en fait ils adaptaient l'hybridation était adaptée au climat qu'ils faisaient sur chacun des continents qu'ils gouvernaient. Ok. Et quand tu dis qu'il a été décidé plus haut, tu disais à un moment donné, il a été décidé plus haut ce cataclysme. Tu vois quelque chose en particulier? Je vois comme un genre de dieu, mais c'est imagé, c'est symbolisé, qui décide que ça a été trop loin à un moment donné, qu'il faut stopper ça, c'est trop contre nature, j'entends. Ok. Est-ce que tu perçois un objectif à cette fin? Faire naître quelque chose d'autre derrière? Fin d'un cycle, apparition d'un nouveau cycle, par définition? Oui. Qu'est-ce que tu captes? Une tentative de remettre de l'ordre, plus de sagesse. Plus de sagesse et moins de... C'est toujours cette dualité que je ressens, hein. Est-ce que tu sens si l'objectif a été accompli, atteint? Non. C'est par cycle, par petit cycle, alors, et par endroit, de manière sporadique. Mais ça dure jamais bien longtemps. Ok. Bien. T'es prête à revenir, Laurence? Ou tu veux revenir? Ou tu veux ajouter quelque chose? Ça va. Prête? Ok, parfait. Commence par te déconnecter de tous et de tout. Tu te déconnectes de tout ce que tu as pu voir, percevoir, croiser.
entendre. Tu te déconnectes complètement et tu reviens à toi et uniquement à toi, tes énergies propres à ton espace. Dis-moi si c'est bon pour toi. Oui. Ok. Je vais compter de 5 à 1. À mesure que je compte, tu te centres, tu te concentres uniquement sur toi, sur tes énergies que tu vas pouvoir laisser circuler librement, complètement dans tout ton espace. Et à mesure que je compte, tu modules tes fréquences qui s'adaptent au niveau parfait pour toi, pour poursuivre cette journée. 5. Ressens tes énergies qui circulent dans tout ton être, dans tout ton espace. Module tes fréquences de manière à te sentir en harmonie, tranquille, apaisé, en paix avec toi-même. 4. Légère. Ressens la légèreté qui s'installe complètement dans tout ton corps et dans tout ton corps physique. Ressens à nouveau tes muscles progressivement. Reconnecte avec ton corps physique, tes ressentis physiques. 3. Mesure que tu te concentres sur tes énergies, laisse jusqu'à toutes tes cellules se régénérer les unes après les autres. 2. Reprends conscience de l'espace où tu es, de cet endroit où est ton corps physique. Ressens tes muscles à nouveau, tes articulations. Peut-être tu as envie de bouger les mains, les pieds. Envie de t'étirer. Et avec le 2 et le 1, tu vas pouvoir ouvrir tes yeux quand tu es prête. Bonjour Belle, Comment vas-tu, Laurence? ça va? Très intéressant ce voyage. Punaise, un sujet intéressant que j'imaginais pas. Très intéressant. Très intéressant. Je t'aurais posé encore 1000 questions, mais il était temps de Ouais, revenir. on On aurait aurait pu pu. là, ouais, là j'étais partie là. Bon, je vais couper l'enregistrement. Merci, Laurence, et à bientôt Merci Gaëlle, pour à un nouveau protocole. bientôt. Bye-bye. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no? Anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo.
Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, è il codice. Il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio. Sì è il no da sinistra verso destra. No. In alcuni paesi orientali, come le Filippine, credo, o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No. Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte, a dove arriva, viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande? Quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano, lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano. Di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate
da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, in forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già vi ho detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi, quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottosta alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosure. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi,
Non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni? Perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque, quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse, potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiate che supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale, a caso, l'ANSA in Italia, ADN Cronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non mi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme.
Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farle in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo, per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.